wow, c'est à nous, hey. On était en train de papoter tranquillement. C'est l'après-repas, je digère mes patates asperges. Puis là, boum, hey, c'est à moi. Bonjour tout le monde, et ça me fait tellement plaisir de vous voir. Salut Paul. Alors, n'oubliez pas, c'est un super projet qu'on fait tous ensemble. Donc, soit vous allez voir ma face, soit vous allez voir Paul. Paul qui est la propriétaire de La Vilaine à Rimouski et qui est aussi une amie très très chère. Donc, salut les Français, il est quelle heure chez vous? Vous digérez pas votre déjeuner là, vous êtes en train Il est quelle heure? 13h, 6h, ok. Ils sont à l'apéro, je les connais les Français, ils sont au camembert saucisson. Donc, salut tout le monde, ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, c'est Paul qui va être derrière le clavier et qui va être là notamment pour répondre à vos questions. Hello, hello. Bon, alors, première chose, je suis super, super contente d'être là avec vous, de partager un nouveau projet. Et oui, je sais qu'il y en a qui sont là. Oh non, encore un nouveau projet, il faut que j'arrête de dormir ou de travailler ou de faire le ménage. Personnellement, c'est le ménage, mais après, chacun fait ses choix, évidemment. Et puis, le Festival of Stitches. Alors, je reviens sur les quelques basiques, étant donné que c'est le premier cours, il va vous falloir quoi ? J'imagine que si vous êtes là, vous l'avez déjà, mais on récapitule. À la base, on a trois couleurs, à peu près 350 mètres de fil pour chaque couleur. Donc, c'est-à-dire que ça vous fait à peu près 1050 mètres de fil. Les aiguilles, on vous demande du 3,5. Attention, hein, n'oubliez pas, un patron, c'est comme beaucoup de choses dans la vie. C'est des indications, mais c'est des indications qu'on peut changer. On les change notamment si on trouve que notre tricot est trop lâche ou que notre tricot est trop serré. Maintenant, vous allez me dire, bah ouais, mais moi, ma laine, elle est plus fine, puis je préférais que ça soit plus fin. Fine, changez les aiguilles. N'oubliez pas, votre châle peut être un petit peu plus petit, mais vous allez voir la beauté avec le Festival of Stitches, c'est qu'il est complètement adaptable. Évidemment, vous le rallongez, il vous faut plus de laine. Vous le voulez un petit peu plus, genre hiver, vous aimez plus quelque chose un petit peu plus cocoon, une plus grosse laine, il n'y a pas de problème, allez-y sur la plus grosse laine. Peut-être arrêtez-vous quand même au worsted, après ça va devenir un petit peu pesant. Ajuster vos aiguilles et ça s'arrête là, d'accord? Donc aujourd'hui vous allez être avec moi, je vais vous montrer le choix de couleurs que j'ai fait pour vous rappeler un peu comment on va jouer avec ces couleurs. Alors moi j'avais envie de soleil, voilà, j'avais envie de bord de mer, alors j'ai pris un bleu, un blanc et un petit jaune qui fait soleil, vraiment on est là au bord de la Méditerranée. Vous allez avoir ces trois couleurs. Pensez une couleur d'accent. Personnellement, j'ai pris une couleur chaude comme accent. Et ces deux-là, c'est elles qui vont jouer ensemble, notamment pour le point de mosaïque, celui qui ressemble un petit peu à du jacquard. Okay, c'est important que les deux couleurs qui ne vont pas être en accent, elles contrastent. Pourquoi ? Parce que si ça ne contraste pas, notamment votre point de mosaïque, il ne va pas se voir. Comment je sais que ça contraste ou pas? Je prends mes deux brins et je vais les twister ensemble. Ok, donc vous voyez, hop là, ça, j'ai twisté ensemble. Et je vois que ça ressort bien les unes avec les autres. Par exemple, si j'avais décidé de faire plutôt le blanc avec le jaune... peut-être que je me serais dit, il n'y a pas beaucoup de contraste, ça vaut pas la peine de les mettre ensemble, d'accord? Donc le petit truc des deux fils que je twiste pour voir si ça contraste, c'est un super bon truc. Vous pouvez aussi le garder dans la poche pour quand vous pensez jacquard, comment je fais pour choisir mes couleurs pour le jacquard. Voilà, donc on a nos trois couleurs. La couleur C, hein, elle a donné A, B, C pour les désigner. La couleur C, ça va être votre couleur d'accent. Alors, je vais vous montrer la première partie que je vais vous expliquer aujourd'hui. Ça va vous donner un peu une meilleure idée sur comment est-ce que je joue avec mes couleurs. Donc, voilà la première partie. S'il y a des œils d'aigle, vous pouvez voir évidemment l'erreur que j'ai faite. Puisque, on s'en reparle comme dans les kitoutous ce matin,
puisque la différence entre les élèves et le maître, c'est que le maître a fait beaucoup d'erreurs. Donc évidemment, j'en fais énormément, mais juste pour votre bénéfice. Voyez à quel point je suis gentille quand même. Hein. Donc voilà, j'offre un set d'anneaux repères à la première qui trouve quelle erreur j'ai fait. Paul, tu comptes pas, évidemment. Alors, voilà, on va faire ça aujourd'hui. C'est ça l'indice numéro 1 qui est fait. Alors, chose très importante à savoir, c'est que elle donne des indications pour l'échantillon qu'elle a fait. Donc, la photo que vous voyez, il y a trois séquences. Donc, vous voyez point mousse. Petite qu'on appelle ça, c'est des bubbles. Mon père appelle ça des verrues de pull, mais là, ça sera des verrues de châle. Donc, une séquence de petits points mousse rayés, une séquence de bubbles, une séquence de points mousse rayés, une séquence de bubbles, point mousse, bubbles, et on finit par du point mousse. Quand j'ai fait ça, alors, voilà, la caméra est pas assez. Donc, quand j'ai fait ça, ça me donne en fait... Ah, je vais y arriver, vous n'allez pas avoir mon triple menton, ça va être chic. Quand j'ai fait ça, vous voyez, ça me donne, voilà, ça me donne la profondeur de mon châle, d'accord? Après, le châle, il va partir sur les côtés. Il ne faut pas oublier, évidemment, qu'il va être bloqué. Donc, s'il y a de la laine, ça va s'élargir, ok? Mais vraiment, ça vous donne à quel point ça va être profond. Si vous voulez que votre châle, il soit encore plus profond, vous pouvez rajouter des séquences, ok? Si vous êtes comme moi, j'ai été tannée au bout du troisième rang de points mousse, donc ça a été un petit peu long à terminer les trois séquences, d'accord? Daniel, attendez, je regarde quelque chose. Diguidou. Daniel, c'est toi qui as gagné le set d'anneaux repères. Et oui, bien sûr, je me suis trompée. J'ai fait la deuxième section de bubbles sur un fond de point mousse. Merci beaucoup. Vous voyez comme je suis gentille avec vous, toutes les erreurs que je fais rien que pour que vous fassiez attention. Ah, c'est ça l'amour, c'est ça. Ok, donc, on va commencer. Donc, vous avez bien compris, elle nous donne à chaque fois... les répétitions, et elle nous donne aussi le nombre de fois qu'elle l'a fait. Donc ça correspond à l'image que vous voyez dans son patron, mais c'est complètement adaptable, encore une fois, si vous voulez le faire plus petit, si vous voulez le faire plus grand, la seule chose qui va changer, bien entendu, c'est votre métrage, ok? Est-ce que je peux le faire moins large, me demande Réjeanne. Paul, c'est elle qui va te répondre, et oui, c'est Paul qui va être votre poisson pilote sur le clavardage. Ok, donc, c'est un patron en anglais, soit. C'est une bonne chose pour plusieurs raisons. Vous allez voir que le répertoire des patrons en anglais est extrêmement riche. Si vous êtes déjà sur Ravelry, vous devez bien le savoir. Et ça va être une bonne manière aussi, peut-être pour certains, de se familiariser avec. Si décidément, malgré les vidéos qu'on va poster, il y a plein de termes qui ne vous reviennent pas, n'hésitez pas à taper sur Google « lexique franco-anglais de tricot ». Vous allez voir, ça pullule sur Facebook, sur Google, et toutes les abréviations et les termes sont là et vous permettent ainsi d'avoir une pierre de rosette et de déchiffrer ce langage. On va commencer, hop, on va mettre ça à côté. Et nous allons commencer par, évidemment, un garter stitch tab. Alors, là, vous me dites, elle a mangé quoi? Elle a quoi dans la bouche? Garter stitch tab, c'est assez compliqué des fois à prononcer. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, moi, j'adore ça. J'appelle ça le berceau de notre châle. C'est vraiment là où il va se nicher. C'est tellement cute, regardez. Un garter stitch tab, ça ressemble à ça. C'est cette partie-là. C'est le tout début de notre châle, vous allez voir, ça va lui faire comme un petit berceau où il va venir se nicher. C'est très important, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir une bordure consistante dès le début de notre châle. Donc, évidemment,
j'ai préparé mes petites démos, regardez ça. Au début, ce qu'on va vous dire, on vous dit CO 3 stitches. Donc CO en anglais, cast on, donc monter, hein, monter 3 mailles avec votre couleur A. Moi, la couleur A, dans mon cas, c'est la couleur bleue. Voilà. La couleur A, dans mon cas, c'est la petite couleur bleue que j'utilise. Voilà, couleur A, couleur B, c'est le blanc. Donc, monter 3 mailles avec la couleur A et tricoter 26 rangs. 26 rangs, donc en anglais, quand je dis knit, juste knit, ça veut dire que c'est des mailles en droit. Donc, le point mousse en anglais, ça s'appelle garter stitch. Donc, on vous dit, montez 3 mailles et faites 26 rangs. Donc 26 rangs de mailles tout à l'endroit. Et souvent, c'est là que les débutants, ils font genre, pas sur le point mousse évidemment, mais c'est au moment où on leur dit, maintenant, tournez à 90 degrés et allez ramasser des mailles sur la bordure à gauche. Alors là, c'est normalement à ce moment-là qu'on regarde son tricot et on fait tourner à 90 degrés. De quoi elle me parle. Alors vous allez voir, c'est très simple. Pour ceux qui font des chaussettes, vous allez faire, mais ça ressemble à un talon de chaussette, et vous aurez bien raison. Regardez ça. J'en ai profité, j'ai pris une autre couleur juste pour vous montrer à quel point ce garter stitch tab est super intelligent. Donc on a monté 3 mailles, on va dire sur le coup que ça fait 26 rangs, d'accord. Elle dit aussi que ces 26 rangs font 13 garter ridges. Garter ridges, ça veut dire quoi? C'est que quand vous faites du point mousse, vous voyez, ça fait comme des petites chenilles. À chaque fois que je fais 2 rangs, je fais une chenille. Donc, si je fais 26 rangs, eh bien, je vais avoir 13 petites chenilles. Voilà. Bon, là, j'en ai pas parce que c'est une démo. Donc, j'ai terminé mon 26e rang et là, je vais tourner à 90 degrés. Et je vais venir ramasser sur le côté gauche 13 mailles. En fait, j'ai 13 chenilles. On va aller sur l'autre caméra. J'ai 13 chenilles. Allez, fais-moi un beau focus caméra. Ok, voilà. J'ai 13 chenilles et je vais venir chercher une maille dans chaque petit espace entre. Attendez, je vais avoir la bonne caméra, je vais y arriver. Un focus. Allez, fais-moi un. Voilà. Ok. Donc, vous voyez que entre chaque maille en vert, j'ai comme un petit tiret ici. C'est lui que je vais aller prendre parce que ça va être définitivement plus facile. Donc, on commence. Je suis là. J'ai tourné à 90 degrés et je vais venir prendre juste sous mes mailles, vous voyez. Je vais venir prendre le premier brin. Alors, je sais pas comme les chaussettes où on prend les deux brins, d'accord. On va en prendre qu'un seul. On prend celui qui est le plus à gauche, celui qui est de votre côté. Voilà, donc là j'en ai un. J'en ai deux. Donc, vous voyez, entre les anneaux repères, entre les rails de point mousse, là, les rails de maille en vert, c'est pas du point mousse d'ailleurs, je viens chercher. Hop. Voilà, donc, vous voyez, point mousse, j'écarte un petit peu et je viens prendre, hop, le petit trait. Ici. Et normalement, vous devriez en avoir 13 puisque vous avez fait 26 rangs. Donc, vous devriez y avoir sans problème vos 13 mailles à venir collecter sur le côté. Voilà, allez, une petite dernière. Puis là, j'arrive à mon rang de montage. D'accord, donc c'est les 3 mailles que j'avais montées au début, eh bien, cette fois-ci, je vais venir remonter 3 mailles le long de mon rang de montage. Alors ça, pour moi, c'est toujours rock'n'roll. Je fais ça un petit peu comme la vaisselle, c'est-à-dire que c'est des fois un petit peu bâclé. Donc, je viens chercher là où je peux, je prends 3 mailles. Alors,
plus la laine est fine et plus je me dépatouille en attrapant ce que je peux. Voilà, allez, une, deux et trois. Et voilà, le fameux garter stitch tab est terminé. Regardez, quand je vous disais qu'on dirait un petit berceau, c'est trop trop cute, voilà. Alors, vous allez me dire, mais ça sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'on vient de se casser la tête à aller chercher des mailles le long des bords, etc. Alors, si vous vous rappelez, au début, on est parti de là. Puis, on a monté 3 mailles et puis on a fait les 26 rangs en point mousse. Ensuite, on a tourné. Ça, c'était les 3 mailles de la fin, du dernier rang. Puis, on est venu chercher des mailles le long de la bordure et on en a remonté ensuite sur le rang de montage. Voilà. Et bien, si vous regardez bien, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est assez magique. Regardez la direction de point mousse. Ça va être notre bordure. Notre châle va avoir une bordure au point mousse de 3 mailles à droite et à gauche. Et au centre, c'est là que ça va se passer. C'est là qu'il va y avoir les motifs. Alors, hop! Rien de mieux que de le voir pour le comprendre. Voilà, hop, voilà. Donc ici, ça c'est le fameux garter stitch tab. Vous le voyez, il est là. Donc ça nous a permis d'avoir une bordure. Au lieu de monter, ça ferait combien de mailles? Au lieu de monter un total de 19 mailles et de partir, on aurait eu une bordure en jersey. On aurait eu une chaînette en jersey ici. Après, on aurait eu des bordures en point mousse. Donc, ici, ça aurait été assez laid. Là, ce n'est pas le cas. Vous pouvez voir que notre bordure en point mousse suit. Ok. Là, en fait, si on regarde notre petite bordure, ici, c'est les 3 mailles et ça part vers la droite. Et ça va être notre bordure. On aura toujours 3 mailles de point mousse en bordure ici. Ensuite, ici, ça, c'est assez fou. Si vous regardez, on a l'impression que le point mousse part vers la gauche et la bordure suit vers la gauche, pareil au point mousse. Voilà, donc ça nous permet vraiment d'avoir une bordure qui borde tout le châle avec deux côtés qui partent chacun à droite et à gauche et ici, pas un départ en jersey. Donc c'est assez magique, je ne sais pas qui a inventé le garter stitch tab, mais c'est vraiment extraordinaire, d'accord? Ensuite, on a monté nos mailles, on est parti, ça y est, la mise en place est faite, on a notre berceau, on va pouvoir faire grandir notre châle. Alors, on peut penser un petit peu qu'on est les jardiniers de la laine, c'est-à-dire qu'on va faire pousser notre châle et grâce à tout notre amour, à notre patience. Donc, on en est là, on a maintenant besoin de mettre des anneaux repères. Alors, si vous êtes comme moi une grande étourdie, au lieu de prendre deux anneaux repères, carrément, prenez-en quatre, d'accord? On va en avoir besoin pour marquer la maille centrale où on va augmenter, puisqu'on va augmenter à chaque fois à droite et à gauche de notre maille centrale. Mais on va aussi augmenter à droite et à gauche de notre bordure. Donc, si je fais un petit dessin, vous savez à quel point j'aime les dessins. Pour ceux qui me connaissent, ceux pour lesquels c'est la première fois avec la maison tricotée, vous allez voir, vous allez découvrir mon talent pour faire des têtes à Toto. Donc, voilà notre châle, il a commencé ici. Nous allons faire des augmentations après la bordure au point mousse à droite, de chaque côté de la maille centrale, et ensuite, on va faire ça avant les 3 mailles à gauche. Donc, sur chaque rang en droit, on va rajouter à chaque fois 4 mailles. C'est très, très traditionnel des bases en triangle. Et l'avantage, c'est que sur l'envers, eh bien, on va simplement tricoter. Il ne va rien se passer. On augmente pour élargir notre triangle. On augmente uniquement sur les rangs en droit. Sur les rangs en vert, c'est ce qu'on appelle traditionnellement les relaxing row, c'est le moment où vous pouvez retomber dans votre série en tricotant votre point mousse. Ok, donc revenons à nos moutons. On est là,
On est venu ramasser toutes nos mailles et on a notre fameux petit berceau. À partir de là, on va venir placer un nano-repère. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent tricoter 9 mailles. Donc, K en anglais, c'est knit. Encore une petite chose, je sais qu'il y en a beaucoup qui le savent, mais on va faire en sorte que tout le monde soit dedans. Donc, K en anglais, c'est knit et ça veut dire de tricoter à l'endroit. C'est là où vous allez aimer tellement les patrons en anglais. Parce que quand il y a marqué K9, ça veut simplement dire de faire 9 mailles en droit. Regardez en français comment on va faire. On va faire 9M.END. En anglais, hyper rapide, K9, on a tout de suite compris, c'est 9 mailles en droit. Hein? Regardez à quel point c'est efficace, anglais versus français. Ensuite, quand on fait des mailles en vert, on va le mettre tout de suite, ça viendra plus tard, c'est le P. Le P veut dire pearl, ça fait comme une petite perle, et ça c'est pour les mailles en vert. Alors évidemment, si j'écris par exemple P3, ça voudra dire 3 mailles en vert, VS en français, 3M.ENV. Personnellement, quand je suis fatiguée, END, ENV, tout le monde est pareil, je me mêle les pinceaux. Là, hyper pratique, je vous promets, je vais vous faire adorer les patrons en anglais. En tout cas, les patrons de châle. Ok. Je suis donc là, j'ai tricoté 9 mailles en droit. PM. PM, super facile, on pourrait l'écrire de la même façon qu'en français au niveau de l'abréviation. Placer un marqueur. Facile. Je place mon marqueur, c'est pour délimiter où va être ma maille centrale. Donc, hop là, K9, je fais 9 mailles en droit, je place mon marqueur, je fais une maille en droit, je mets un autre anneau repère et je tricote 9 mailles en droit. Donc, ça y est, ma petite maille intercalaire, ma petite maille centrale, se retrouve avec ces deux gardes du corps à droite et à gauche, pour que personne ne vienne l'embêter, vous voyez, elle est séparée, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu la princesse du châle, c'est autour d'elle que s'articulent les choses, et personne n'a le droit de la décaler ou de prendre sa place, sinon votre châle, il part, il a la scoliose, hein, sa colonne vertébrale part à droite ou à gauche, donc on respecte la maille centrale, voilà, voilà. Donc on a fait ce rang-là, on a placé donc la maille centrale et maintenant on va commencer avec ce qu'elle appelle le setup. Donc on a commencé avec la couleur A, vous décidez c'est laquelle, et maintenant, super facile, on va faire du point mousse. Alors, du point mousse, j'espère que vous n'allez pas me regarder avec des grands yeux en me disant « mais comment on fait du point mousse ?» parce que là on va avoir un problème. Mais là où vous allez avoir besoin de moi, c'est à vous expliquer comment on va faire les augmentations. Peut-être que pour certains, je sais que pour mes tricoteuses de chaussettes, ça va être genre finger in the nose, mais pour les autres, peut-être pas si évident. Nous allons donc faire du point mousse rayé, deux rangs avec la couleur A, deux rangs avec la couleur B, mais nous allons augmenter à droite et à gauche de notre maille centrale et de nos bordures en faisant des augmentations intercalaires droite et gauche. Donc une petite révision juste pour être sûr que tout le monde est très à l'aise avec ces augmentations intercalaires, ok? J'ai sorti la laine jumbo, rien que pour ça on voit bien avec, ok? Donc normalement je suis là, je commence, je tricote mes 3 mailles de bordure. Pour la démo on va faire rapide, on va en faire que 2. Donc ça c'est le début. Maintenant, on me dit, faites une augmentation intercalaire gauche. À quoi je le vois? Je ne l'ai pas inventé. Regardez, les 3 mailles de bordure, elles sont ici. 1, 2, 3. Et ici, c'est l'augmentation intercalaire gauche. Voilà. En anglais, cette augmentation intercalaire gauche s'écrit M1L. Pourquoi? C'est l'abréviation de dire « make one left ». Donc, créer une maille qui part vers la gauche. Vous voyez à quel point c'est clair. Créer une maille qui va vers la gauche, c'est tout ce que je te demande. « Make one left ». Et regardez comment est-ce que c'est symbolisé. Un espèce de petit arbre avec une branche vers la gauche.
Pourquoi? Parce que je viens de créer une maille qui part vers la gauche. D'accord? C'est comme un panneau de signalisation routière. C'est quand même assez simple à symboliser. L'autre augmentation intercalaire, s'il y en a une qui part à gauche, évidemment, celle-là, elle part à droite. C'est le make one right. Donc, faire une maille, s'il vous plaît, qui part à droite. Donc, le petit arbre, il va partir vers la droite. Et c'est tout. Regardez, on a deux augmentations à apprendre et le reste, c'est du point de mousse rayé. Et franchement, si c'est pas facile pour commencer ce châle, je sais pas ce qui est facile dans ces cas-là, d'accord? Alors, ça y est, je vous montre l'augmentation intercalaire gauche. L'augmentation intercalaire, cette géniale augmentation qui ne se voit pas, se fait dans la maille intercalaire. Donc la maille intercalaire, c'est ce petit bout de chou ici. C'est le petit fil qui rejoint la maille qui est sur l'aiguille de gauche et la maille qui est sur l'aiguille de droite. C'est un petit peu le bras, vous voyez, elles se tiennent par la main et c'est le pont qui est entre les deux. Donc ce petit pont-là, je vais en faire une maille. Alors ça, c'est facile d'en faire une maille. Il suffit qu'il y ait l'aile sur l'aiguille de gauche et que je la tricote. Donc, je pourrais la prendre comme ça, donc de l'avant vers l'arrière, ou je peux la prendre de l'arrière vers l'avant. Donc voilà, ça devient une maille, c'est assez magique. Sauf que ce que j'ai besoin, c'est de la tricoter torse et de l'orienter soit vers la gauche, soit vers la droite. Et vous allez voir que la manière dont je la prends et je la tricote, c'est ce qui va lui donner son orientation. Donc, je vous montre la gauche. Pour tricoter une augmentation intercalaire gauche, je vais prendre ce fil-là de l'avant vers l'arrière. Voilà, j'ai une nouvelle maille et si on la regarde, c'est une maille qui est différente des autres parce qu'elle est avec une patte courte, celle qui est derrière, et une patte longue, celle qui est devant. Je vais tricoter toujours torse, c'est-à-dire toujours la petite patte courte. Donc, puisqu'elle est à l'arrière, je la tricote dans le brin derrière. Et regardez, qu'est-ce que ça m'a donné? Ah, ça m'a donné une belle maille qui me donne une belle diagonale gauche. Regardez, à la base, on peut le voir, c'est comme une maille twistée. Vous voyez, elle a deux jambes, d'accord? Celle-ci et celle-là. Et celle qui passe devant l'autre va à gauche. Donc, je vous la remontre. Augmentation intercalaire gauche, dans le fil intercalaire, je la prends de l'avant vers l'arrière. Le fil court est derrière et c'est lui que je tricote. Et voilà. Donc, si vous avez besoin de prendre une note, c'est de vous dire que M1L égale augmentation intercalaire gauche. Vous avez vu quand même, on aime bien rajouter du texte quand on est en français. Augmentation intercalaire gauche et le fil court. Ça, c'est toujours parce que c'est toujours lui qu'on tricote. Et derrière. Donc ça, si vous voulez vous faire une petite note, ça va être ça que vous allez vous écrire. Maintenant, pour l'augmentation intercalaire droite. Alors, dans ces cas-là, on va venir prendre le brin intercalaire de l'arrière vers l'avant. Et oui, cette fois-ci, on change de sens, on le prend de l'arrière vers l'avant et le fait d'avoir changé de sens a changé la place de la petite jambe courte. Au lieu d'être derrière, la voilà devant. Et c'est elle que je vais tricoter. Donc, je tricote toujours la petite jambe courte. Et donc, mon fil twist encore. Mais comme vous pouvez vous rendre compte, ça part vers la droite. OK? Tout simplement. Donc, on va tricoter une maille. Je vais juste vous montrer. Vous pouvez vous rendre compte ici, l'augmentation intercalaire gauche, on voit bien la petite diagonale qui part vers la gauche. Et là, l'augmentation intercalaire droite, vous pouvez vous rendre compte de la petite diagonale qui s'est faite vers la droite. Je vous la fais une dernière fois. Pour la droite, je vais prendre de l'arrière vers l'avant. Le petit fil court est devant et je vais la tricoter. Voilà.
Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on prend le fil qui est là et on le torse. Donc, si vous regardez bien, si je torse d'un côté, ça part vers la gauche. Et si je torse d'un autre côté, ça part vers la droite. Sauf qu'on fait ça de manière magique avec deux aiguilles. Donc, l'augmentation intercalaire droite, qu'on pourrait écrire en français augmentation intercalaire droite, le fil court est devant. Voilà, donc ça, c'est la note que vous avez besoin de prendre si vous avez encore des hésitations sur la manière de tricoter vos augmentations intercalaires. Maintenant, on a un beau petit gris que je vais vous expliquer, puis je vais vous la réexpliquer, j'espère, encore plus clairement. Est-ce que je peux la voir? Oui, elle est bien là. Toi, hop. Ok, voilà. Voici notre charte. Alors, si vous avez peur de vous mélanger les pinceaux, vous pouvez prendre comme moi, je suis une fana des crayons de couleur, et vous pouvez la colorier. Sauf que vous allez voir, c'est extrêmement répétitif, et vous allez normalement vous y reconnaître en moins de temps qu'il ne le faut pour le dire. Céline, t'as fait une bêtise. Oui, t'as fait une bêtise. Vous m'avez compris, celui-là devrait être rose. Rose. Ok, donc là, vous avez une charte de setup, donc une charte de mise en place, qui pourrait peut-être plus vous faire peur que vous montrer à quel point c'est facile. Donc, ce que je vois là, c'est quoi? Vous voyez les petites boxes qui sont en vert. Les petites boxes qui sont en vert, c'est pour vous dire que c'est le motif qui se répète. Et qu'est-ce qui se répète? Il se répète que sur les rangs en droit, donc les rangs en droit, ça sera tous les rangs impairs. Donc rang 1, rang 3, c'est des rangs en droit. Rang 2, rang 4, c'est des rangs en vert. Maintenant, vous remarquerez que les chiffres sont dans le sens de la lecture de votre rang. Quand je tricote à l'endroit, je tricote de droite à gauche. Arrivé sur un rang en vert, je retourne mon tricot, je tricote de gauche à droite. Donc toujours, là où les chiffres sont placés, c'est le sens de la lecture, c'est très important. Ensuite, vous voyez que j'ai des petits carrés blancs, puis j'ai des petits carrés avec des petites billes dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Un carré, c'est une opération. D'accord, ce n'est pas une maille, faites attention, j'ai toujours eu ces discussions-là avec mes élèves, ce n'est pas une maille, c'est une opération. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, ce petit carré, que quand je suis blanc comme ça, sur l'endroit, RS en anglais, d'accord, RS en anglais, c'est endroit du travail. Je vous l'écris, mais vous trouverez ça sur Google dans le fameux lexique dont je vous ai parlé, d'accord? WS, c'est wrong side, c'est l'envers du travail. Donc, ce qu'il me dit, c'est que sur... quand j'ai un petit carré comme ça, sur l'endroit, je tricote à l'endroit. Ok, donc si je lis mon rang 1, ça fait, je fais 3 mailles à l'endroit, je fais une augmentation intercalaire droite, je répète ma maille en droit jusqu'à ce que j'arrive à Madame la Princesse, la maille centrale. D'accord? Donc je répète, jusqu'à ce que j'arrive à ma maille centrale. Quand j'arrive à ma maille centrale, je fais une augmentation intercalaire gauche, je tricote ma maille centrale, une augmentation intercalaire droite, gauche. Je répète toujours mes mailles à l'endroit. Et 3 mailles avant la fin, je fais une augmentation intercalaire droite et je finis là. Arrivé au rang 2, je suis sur l'envers du travail, wrong side. Et la petite bille noire, c'est pour me dire tricote à l'endroit. Donc, je tricote tout à l'endroit. C'est du jersey, d'accord? C'est du jersey rayé. Donc là, j'étais avec la couleur B. J'enchaîne avec la couleur A. Ça va être toujours la même chose. Je tricote 3 mailles à l'endroit. Je fais mon augmentation. Je tricote tout à l'endroit jusqu'à ce que j'arrive à ma maille centrale où je fais mon augmentation intercalaire droite. Ma maille centrale, augmentation intercalaire gauche, puis je tricote toujours à l'endroit jusqu'à ce que j'arrive 3 mailles avant la fin où je fais une augmentation intercalaire droite. Et sur le rang 4, hop, tout à l'endroit.
Je pense que je me suis mêlé la langue entre augmentation intercalaire droite et gauche. Bon, ça c'est la charte. Étant donné qu'elle est petite, qu'il y a plein de points et plein de petits arbres qui se baladent entre les points, on dirait presque une partie de Pac-Man. Je sais que ça peut vous paraître un peu compliqué. Et c'est là qu'on sort les super stylos de toutes les couleurs et on va faire ça beaucoup plus simple. Regardez ça. Donc, on est ici. Je suis sur mon rang en droit. Donc, on va mettre la princesse dans son petit château. D'accord. Donc ça, c'est ma maille centrale. Pouette, pouette, elle est ici. Ok. Maille centrale, elle, on n'y touche pas. Ensuite, j'ai les gardes de la reine. D'accord. C'est les trois mailles de bordure à droite et à gauche. Ça sera toujours du point mousse et ils resteront là jusqu'à la fin. Maintenant, les motifs, ils vont se faire ici. Ça, c'est des choses qui changent. Les bordures, la reine, donc la maille centrale, hein, eux, ils ne changent jamais. C'est ici que ça se passe. Donc, je suis sur l'endroit du travail, d'accord? Rang 1, endroit du travail. On se rappelle, mon châle, il va s'agrandir, donc je fais des augmentations intercalaires. Je commence toujours par l'augmentation intercalaire gauche. Donc j'ai un petit arbre qui part ici. Ok. Quand j'arrive juste avant la maille centrale, j'ai une augmentation intercalaire droite. Je tricote la maille centrale et ça recommence. Augmentation intercalaire gauche, je tricote tout à l'endroit et là je vais faire une augmentation intercalaire droite. Voilà. Donc ça, c'est le rang 1 à l'endroit. Le rang 2, qui est le rang envers. Qu'est-ce qui est toujours la même chose qui ne bouge jamais? Ce qui ne bouge jamais, c'est mes bordures au point mousse, donc qui sont toujours tricotées à l'endroit. Ma maille centrale, ok, qui, elle, c'est pareil, est tricotée en point mousse. Mais ici, sur l'envers, il n'y a pas d'augmentation, donc je tricote tout à l'endroit. Donc ici, je tricote à l'endroit. C'est du point mousse, hein, d'accord? Je tricote à l'endroit. Et ici, je fais quoi? Ben, je tricote à l'endroit. Et je tricote à l'endroit. D'accord? Donc, l'endroit du travail, qu'est-ce qui se passe? J'ai des augmentations intercalaires. C'est tout. D'accord? J'en ai 4 au total. Tout le reste, c'est de l'endroit et de l'endroit. Le rang 2 qui est à l'envers, eh bien, c'est tout à l'endroit. La seule chose que vous faites, c'est déplacer des anneaux repères. Ces deux rangs-là, je vais les faire dans la couleur. On commence par la couleur B. D'accord? Je commence avec la couleur B. Et après, je vais faire exactement la même chose, mais je vais le faire dans la couleur A. Donc, dans la couleur A, ça va être la même chose, d'accord? Je vais me retrouver avec les mêmes protagonistes. Ok? Donc, je vais commencer avec 3 mailles de bordure. Je vais avoir mes augmentations sur l'endroit du travail. Ok? Tout va être à l'endroit. Et sur l'envers. Et sur l'envers, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais tricoter tout à l'endroit. Sachant que, évidemment, j'ai toujours la maille centrale et puis et les mailles de bordure. Ok? Donc, sur les deux premiers rangs, c'est une couleur. Puis ensuite, je prends une autre couleur et je fais deux rangs avec ça. C'est du point mousse. La seule différence, c'est que sur les rangs en droit, j'augmente après les 3 mailles du bord, avant la maille centrale, après la maille centrale et avant les 3 dernières mailles. Maintenant, j'aimerais savoir si je passe à autre chose, si cette histoire d'augmentation c'est clair. Est-ce qu'il faut que je rajoute des chevaliers Non, non, je rigole. Mais s'il vous plaît, juste dites-moi, est-ce que c'est clair C'est clair, c'est clair?
Ok? Donc, super. Bon, alors, si c'est clair, franchement, on s'entend-tu? On se remonte une dernière fois. Ok, c'est du point mousse. D'accord? Donc, ok, deux rangs avec le... Moi, deux rangs avec la couleur A, B, A, B, A, B. Et j'augmente ici, ici, ici et là. Voilà. Maintenant, la vraie question, c'est combien de fois je fais ça? Alors, regardez. Ce qu'elle nous demande, au départ, elle nous dit, ben, vous allez faire le rang 1 à 4, 6 fois. Donc, 1 à 4, d'accord? 4, et elle nous le demande 6 fois. Allons-y, 6 fois 4, 24. Et oui, vous allez faire au total 24 rangs. Et on se rappelle, pour faire une chenille de point mousse, ça prend 2 rangs. Donc, comment est-ce que ça va apparaître sur mon tricot? Ça va faire 12 petites chenilles, d'accord? Là, j'ai commencé avec le bleu, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah non, 12 et après on le répète 2 fois, ok? J'étais là, je viens de montrer encore, j'ai fait une erreur, mais non, c'est correct. Donc, on répète les rangs 1 à 4 6 fois de plus, donc vous allez avoir, comme j'ai dit, 24 rangs, donc 12 petites chenilles qui vont apparaître, d'accord, hein? Donc une chenille, ça fait un trait de couleur, c'est vraiment facile. Puis après, il faut répéter les rangs 1 et 2 une fois de plus. Donc on rajoute en fait 1 et 2, on rajoute one, two, one more time. Donc on rajoute un rang de plus. Donc ça vous fait un total de 13 petites, de 13 petites ridge, de 13 petites, comment on appelle ça déjà? Bon, on va les appeler les chenilles, j'ai plus le nom. Donc, de 13 petites chenilles au point mousse, d'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tout est beau. Donc, voilà, on a 13 petites chenilles de point mousse avec à chaque fois les augmentations sur l'endroit. Une fois qu'on a terminé les chenilles, on va faire un truc qui est très rigolo. On va faire des bobbles. Donc, on va faire les fameuses verrues de pull de mon papa. Faut pas que je dise ça, c'est pas sexy. Hein. On va faire les petites boules de Noël du châle. C'est adorable, hein, c'est très floral. C'est juste que depuis qu'il m'a mis ça dans la tête, mon père est terrible, j'arrive pas à le sortir de ma tête. C'est... nouveau traumatisme d'enfance. Allez, je vous montre comment on fait ces fameuses bobbles et après on regarde la charte. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, hop. Pour faire une bobble, comment est-ce qu'on fait? Alors, évidemment, c'est écrit en anglais, je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Une bobble, donc une petite bulle, voilà, une bulle de laine, ça c'est très chic. Cette petite bulle de laine, nous allons la faire avec une seule maille. Et oui, de une maille, on va faire une bulle. Donc j'y vais, je suis là, je tricote une maille à l'endroit. Et je ne lâche pas ma maille parce que je n'en ai pas terminé avec elle. Maintenant que je mets mon fil devant, puis je vais tricoter une maille à l'envers. Et je ne la lâche toujours pas, je n'ai pas terminé avec elle. Je ramène mon fil derrière et je vais tricoter une maille à l'endroit. Donc, première étape de ma bulle, j'ai fait une endroit, une envers, une endroit dans une seule maille. Ok ? Maintenant, je vais tourner mon tricot et je vais retricoter sur ces trois mailles. Alors, c'est parti, je retourne mon tricot et là, je vais tricoter une maille à l'envers. Dans la deuxième maille de ma bulle, je vais faire une maille envers. Je ne laisse pas tomber la maille, je vais faire un jeté. Donc pour faire mon jeté, je vais simplement faire le tour de mon aiguille avec mon fil. Et je vais retricoter la maille à l'envers.
et je vais tricoter la dernière maille de ma bulle. J'ai maintenant 5 mailles sur l'envers de mon travail qui sont constituées d'une maille envers, puis après, dans la même maille, j'ai fait une envers, un jeté, une envers et je termine par une maille envers. Je vais à nouveau tourner mon travail. Et cette fois-ci, très simple, je vais simplement tricoter 5 mailles à l'endroit. Donc, dans les mailles de ma bulle, là, c'est tout simple, je vais tricoter 5 mailles à l'endroit. Je pense que je sais pourquoi je bloquais sur bulle. Je pense qu'après la pandémie, j'ai du mal à penser bulle. J'ai plus envie qu'il y ait de bulle. Mais bon, là, ça va, c'est inoffensif, c'est une bulle de laine. Ok, donc 5 mailles à l'endroit. Voilà, donc elle, tranquille, j'ai fait 5 mailles à l'endroit. Maintenant, je vais retourner encore mon travail. On arrive à la fin. Et je vais commencer en tricotant 2 mailles à l'envers. Donc, ça y est, on commence à rétrécir la bulle. On fait 2 mailles à l'envers, une envers. Et à nouveau, 2 mailles à l'envers. Donc, on avait 5 mailles, on en a maintenant 3. Je retourne mon travail. Et maintenant, je vais faire une diminution double à maille centrée. Pour faire ça, je prends les 2 mailles comme pour les tricoter ensemble. Et là, j'insiste, s'il vous plaît, c'est très important. C'est vraiment, je les attrape comme pour les tricoter ensemble. Donc, je prends les 2 mailles. Et je vais les glisser comme si j'allais les tricoter ensemble. Je ne les tricote pas, elles sont glissées. Mais le fait de les prendre comme pour les tricoter ensemble, elles se retrouvent croisées. C'est super important. Je vais tricoter la maille suivante à l'endroit. Voilà. Et je vais rabattre les 2 mailles glissées sur la maille qui a été tricotée. Voilà. Et... voilà, j'ai fait une adorable petite bulle de laine. Voilà. Vous voyez comme c'est cute? C'est adorable. Voilà. On appelle ça aussi un petit popcorn. Popcorn bulle. Voilà. Allez, je vous le remontre une dernière fois. Donc, je commence avec dans la maille. Je vais la tricoter une fois à l'endroit. Voir si je peux faire avec l'autre. Ok, une fois à l'endroit, je lâche pas la maille, hop, je passe devant, je fais une fois à l'envers, je lâche pas la maille, je remets le fil derrière et une maille à l'endroit. Donc de une maille, j'en ai 3 qui sont une endroit, une envers, une endroit. Je tourne mon travail, je commence par une maille à l'envers, après ça, je tricote une maille envers sans la lâcher. Je la laisse sur l'aiguille de gauche, je fais un jeté, puis encore une maille à l'envers et je tricote la dernière maille à l'envers. Donc de 3 mailles, j'en ai maintenant 5, dont un jeté au milieu. Je tourne à nouveau mon travail et cette fois-ci, je tricote à l'endroit ces 5 mailles-là. Je tourne à nouveau mon travail et je commence par 2 mailles ensemble à l'endroit. À l'envers, hein. Excusez-moi, 2 mailles ensemble à l'envers. Ensuite, une maille envers et je termine par 2 mailles ensemble à l'envers. Puis je retourne mon travail. Il ne me reste plus que 3 mailles. On va les réunir en faisant une diminution double à maille centrée. En prenant les 2 premières mailles, je les glisse comme pour les tricoter ensemble. Ça, c'est super important, donc elles croisent. Je tricote ensuite la maille endroit. Et les 2 mailles que j'ai glissées, et surtout pas tricotées, sont rabattues sur la maille. Et voilà, je me retrouve avec une petite bulle supplémentaire. Maintenant, on va lire la charte. Voilà. Donc, on va lire notre fameuse charte de Bobble. Première chose, attention, je change de couleur. Les Bobbles sont faites avec la couleur contrastante. Ok, donc attention, je prends ma couleur C
pour faire les 4 rangs qui concernent ce motif-là. Au début, c'est très simple. J'ai toujours les augmentations dues aux mêmes endroits. Ça va être jusqu'à la fin de l'indice numéro 1. C'est pas compliqué. Vous les faites point barre sur l'endroit. Donc, le rang 1, facile, c'est tout à l'endroit. Attention, le rang 2, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il n'y a plus les petits points. Pourquoi? Parce que là, on me demande de faire du jersey, c'est-à-dire de tricoter ces mailles à l'envers, sur l'envers de mon travail. D'accord? Donc, super important. Le rang 2 est tout à l'envers. Je vous remontrerai mon erreur que j'ai fait rien que pour vous. Au rang 3, je vais commencer, donc comme d'habitude, maille de bordure, 3 mailles en droit, augmentation intercalaire gauche, une maille en droit. Et là, je tombe devant the box, la boîte. La boîte, c'est ce qui va toujours se répéter jusqu'à ce que j'arrive à une maille de la maille centrale. Donc, je vais toujours le répéter. Donc, augmentation intercalaire gauche, une maille en droit. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4 mailles en droit. Je fais une bobble dans la cinquième. 6, 7, 8. J'arrive au mur de la boîte. Je reviens ici. 1, 2, 3, 4. Je fais une bobble. 1, 2, 3. J'arrive ici. Je retourne là. Donc, cette boîte-là, je vais la répéter jusqu'à ce que j'arrive à une maille de la maille centrale. Et là, je tricote une maille en droit, mon augmentation intercalaire droite, la maille centrale, l'augmentation intercalaire gauche, une maille en droit, et c'est reparti pour le motif de bobble. 1, 2, 3, bobble, 1, 2, 3, 4. Et je recommence. 1, 2, 3, bobble, etc. Jusqu'à ce que j'arrive à une maille de mes 3 mailles centrales et je termine. Au rang 4, tout simplement, n'oublions pas que les 3 premières mailles sont au point mousse, donc tout à l'endroit, 1, 2, 3, mais le reste du rang est à l'envers. Et c'est les 3 dernières mailles qui sont à l'endroit. Pourquoi? Parce que c'est du point mousse. Donc, si je vous montre à quoi ça doit ressembler, donc les bobbles sont sur un fond de point mousse, donc les rangs sur l'envers sont à l'envers. Parce que si vous faites du point mousse, ça va vous donner ça, d'accord? C'est quand vous avez oublié parce que vous êtes plongé dans un roman bien trop passionnant et votre cerveau est en mode de pilote automatique. Donc, encore une fois, on fait un petit dessin, ça peut nous aider. Surtout que pour les débutants, les histoires de boîtes, je sais que ça vous fait un petit peu peur. Allez, donc on va remettre notre maille centrale ici. On va remettre notre bordure ici, donc nos 3 mailles. Et vous vous doutez bien que plus on a de mailles, plus ça va être difficile de décrire tous les mailles qu'il faut faire. Hein. Si j'ai 100 mailles, je ne vais pas vous faire une charte avec 100 mailles. Je vais vous dire ce qui va se répéter. Donc, l'histoire du bobble, là. Donc ça, c'est mes bobbles. Ces bobbles-là, en fait, elles sont espacées entre elles de 7 mailles. D'accord? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a dit, ben voilà, ça, s'il te plaît, répète-le, jusqu'à ce que tu arrives à... C'était quoi, une maille? Une maille du bord. Quand tu arrives à une maille du bord, ben attends, arrête-toi, il faut que tu fasses ton augmentation. D'accord? Donc, au lieu d'avoir à tout vous écrire, on vous dit, ben ça, c'est ce que tu vas répéter. D'accord? Tu vas le répéter, jusqu'à ce que tu arrives à quelques mailles avant ta maille centrale ou à quelques mailles avant ta bordure. Donc, voilà, c'est un motif qui se répète, mais au lieu de vous écrire toutes les mailles, on ne vous écrit que le motif qui se répète. Hein, c'est un peu comme vous dire, bon ben vous allez faire une petite fleur, puis ça vous allez le répéter, voilà, j'ai la bordure, là vous faites une maille, vous faites la petite fleur, puis
vous vous arrêtez à une maille avant la bordure. D'accord ? C'est exactement le même principe. Je ne sais pas si j'arrive à trouver les bons mots pour que vous compreniez l'idée d'avoir à répéter ce motif-là. Ensuite, le motif de Bobble, il fait 4 rangs. Vous avez vu, 2 rangs de jersey, puis ensuite un rang avec les Bobble. Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est assez simple. Ce qu'on vous dit, c'est que vous faites donc les 4 rangs de Bobble. Et ensuite, vous faites, attendez que je regarde pour me le raviver. Et après, vous faites un total de 10 rangs de points mousse, d'accord? De points mousse rayés. Donc, hop, ce qu'on vous dit, c'est, ok, faites le rang de Bobble. Et après, répétez les points mousse rayés qui sont ici, d'accord? Vous allez répéter ces rangs-là. Donc, rang 5 à 8. Vous allez le répéter 4 fois de plus. Donc, je récapitule. On a commencé, on a fait un total de... on est ici. Voilà. Je récapitule. On a monté ça. On a fait un total, si je me rappelle... Je ne sais plus combien c'était, 6, 9. On a fait un total de 13 chenilles de points mousse. Après ça, on vous dit, vous faites 4 rangs avec les bobbles. Et après, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, c'est bien ça. Et après, vous allez faire 10 rangs. Vous allez faire 20 rangs de points mousse rayés. Donc, ça vous fait 10 petites chenilles. D'accord ? 1, 2, 3, ça fait 10 petites chenilles. Donc, ça fait 20 rangs. Quand vous avez fait les 20 rangs de points mousse rayés, vous refaites les 4 rangs de bobble. Puis, vous refaites 20 rangs de points mousse rayés, 4 rangs de bobble et vous terminez par 20 rangs de points mousse rayés. Dans les mots du patron, ils vous disent, fais les 4 rangs ici, donc du rang 1 au rang 4, puis ensuite fais le rang 5 au rang 8, 2 points mousse rayés, et tu vas répéter, s'il te plaît, les rangs 5 et 8, 4 fois de plus. D'accord ? Donc ça vous fera un total de 5 fois 4 rangs. 5 fois 4, 20, ça fait 10 chenilles, d'accord ? Voilà. Et il faut répéter le bobble et les 20 rangs de chenilles le nombre de fois que vous le désirez, mais elle vous dit quand même qu'elle a fait... Qu'elle a fait un total de... Excusez-moi, je vais juste aller chercher... Je pensais que j'avais tout. Non. Excusez-moi, j'étais persuadée que c'était là. Ah non, ok, c'est ici. Donc, excusez-moi, elle l'a mis un peu partout. Elle vous dit de répéter cette séquence-là pour un total de 3 fois, mais attendez, hein. Voilà. Pour mon échantillon, j'ai fait cette séquence 3 fois. Donc, 3 fois le fait de faire bobble 20 rangs, bobble 20 rangs, bobble, et je termine par 20 rangs. Ok. Il vous appartient, comme je disais avant, de rajouter, si vous voulez, une séquence de plus qui sera donc 4 rangs de bobble, 20 rangs de points mousse rayés. Ça, vous pouvez agrandir comme vous le voulez, tant que vous avez et de la laine et une patience d'ange. Voilà. Ok, donc... Je vais l'écrire. J'essaie de trouver toutes les clés qui vont vous aider. Donc, pour
pour faire simple, ça fait donc 4 ans de motif bobble. Ok. Sur fond de jersey. J'insiste pour avoir fait la bêtise. Et après ça, ça va être 20 rangs de points mousse. Ray. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça, elle propose de le répéter un total de 3 fois. C'est ce qu'elle a fait dans son châle. Mais encore une fois, si vous voulez, vous pouvez répéter ça une fois de plus. Le plus important à se rappeler, c'est que vous terminez avec les 20 rangs de points mousse. Je remarque. Voilà, donc 4 rangs de motifs bobble sur fond de jersey, 20 rangs de mousse rayée, 4 rangs de motifs, etc. etc. D'accord ? Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que j'ai réussi à être claire surtout ? Je me dis toujours, l'esprit des gens, c'est comme des serrures. Il faut trouver plein de clés différentes pour réussir à l'ouvrir et à faire rentrer des fois des explications. Parce que nous, en tout cas moi, je comprends d'une certaine manière, mais je sais qu'on a tous une manière différente d'appréhender ou de comprendre les choses. On glisse la première maille ou on la tricote ? Non, tu vas simplement la tricoter, d'accord. Elle propose, donc Lisa Haynes propose de ne pas faire suivre les couleurs sur le côté bobble. Donc je vais vous montrer, ça fait un petit peu des laines à rentrer, mais c'est comme ça. Où est-ce que j'ai mis mon petit torchon? Excusez-moi, je vous montre un instant, il y en a partout. Ok, donc au niveau de la bordure, okay, on va y aller sur l'endroit parce que c'est là où les changements se font, vous remarquerez que je n'ai pas fait suivre les deux couleurs ici. Elle, ce qu'elle propose pour avoir un fini un petit peu plus joli, c'est de couper votre fil A et B, puis d'enchaîner avec le fil jaune. Donc, il n'y a pas de, fil qui suivent le long de la bordure pour pas qu'on se retrouve voilà, avec du bleu ou du blanc le long de la bordure. Voilà. Après, quand je fais un rang de blanc, un rang de bleu, évidemment, je ne vais pas couper ma couleur hein, puisque c'est juste un aller-retour et le fil m'attend. Le fil de la couleur A ou de la couleur B m'attend au rang d'en dessous. Ça, c'est vraiment très très délicat. Je veux dire, voilà, vous ne voyez pas tellement que ça pose de problème. Ok ? Ça va avec le côté rayé. Par contre, pour cette partie-là, elle conseille de couper les laines. Voilà, ça va nous faire un petit peu de fil à rentrer sur ce coup-là, mais écoutez, hein, c'est comme ça. je comprends pas ce qui vous gêne dans le changement de couleur, les amis. Alors attendez, je vais essayer de voir qu'est-ce que vous voulez dire exactement. Alors, non, je coupe pas la laine à la fin de chaque couleur. Ok, ok. Hein. Quand je fais le point mousse rayé A et B, je fais juste le fil. Regardez. Hop. Donc, j'ai fini avec le jaune. Je vais simplement prendre la couleur beige, puis je vais faire mes deux rangs. D'accord ? Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Imaginons que ça, c'est la fin de mon rang. Je retourne. Je tricote ensuite sur le rang vert au point mousse. Voilà, donc là, je viens de faire deux rangs avec mon beige. Voilà. Je vais ensuite prendre le fil jaune et je vais simplement le récupérer. D'accord ? Il m'attendait deux rangs plus bas.
et simplement je vais commencer à tricoter avec le fil jaune, d'accord? Donc je fais un rang, je vais tourner, je fais un deuxième rang, voilà, hop, je tourne. Donc là je viens de faire deux rangs avec le fil jaune, j'attrape le fil beige et je commence à tricoter avec le fil beige. D'accord, donc pour le point de mousse rayé, on ne s'énerve pas, d'accord, on va simplement récupérer le fil qui nous attend deux rangs en dessous, super simple, d'accord. Maintenant, quand je vais mettre la nouvelle couleur pour mes fameuses bobbles, comment est-ce que je vais faire? Alors, je ne fais pas des trucs super compliqués, genre des joints russes et tout ça, non. Je suis beaucoup plus simple que ça. Je prends mon fil, je fais un nœud, d'accord, comme si j'allais mettre un fil à ma canne à pêche. Voilà, je fais un petit nœud. Vous pouvez même ne pas en faire d'ailleurs à partir du moment où ça va bien resserrer. Voilà, je vais couper. Pouette. Je laisse toujours au moins 10 cm, hein. C'est pas des queues de rat, j'ai besoin de pouvoir rentrer mes fils correctement. Donc s'il vous plaît, soyez gentils, vous laissez pas ça comme fil, vous n'arriverez jamais à rentrer et à faire des belles finitions. D'accord? Donc j'ai laissé assez de fil, je suis ici et j'enchaîne sur ma nouvelle couleur, ni vu ni connu. Voilà, j'enchaîne sur ma nouvelle couleur, c'est aussi simple que ça. Voilà, pouette. Donc, en effet, aucune maille lésière. Attendez, je lis vos questions en même temps. Bien sûr, on fait la fin de la répétition du bubble jusqu'à la fin de marqueur. Oui, oui. Bah oui, tu n'en fais pas qu'un. Hein. Regarde. Je te remontre le... Les gars, ça serait bizarre s'il n'y en avait qu'un et puis qu'il était tout seul sur tout un rang. Non, non, ils ont plein de copains, regarde, ça se répète. Tu vois, en fait, le fait qu'il y ait un bobble 7 mailles, ça c'est une boîte, deux boîtes, trois boîtes, et ça recommence, tu vois. Donc, c'est un motif, ça. Hein, le fait d'avoir, en fait, le motif, c'est 3 mailles avant le bobble et 4 après, je pense. Donc, ça c'est un motif, ça c'est un motif, donc je le répète 3-4 fois. Là, je m'arrête une maille avant la maille centrale. C'est là où je sais où j'ai fait une bêtise ou pas. Parce que s'il me reste plus de mailles ou si j'en ai pas assez, c'est que j'ai oublié des augmentations. Voilà. Mais normalement, tout doit bien se faire. Quand je croise mes fils, il faut les... Quand tu croises tes fils, il faut les coincer. Tu veux que je les coince comment ? Dans un coin. Ne bougez plus, je vous ai eu. croisez mes fils, il faut les coincer. Je te suis pas. Est-ce que tu veux que je les coince comment? Je comprends pas la question. Quand tu croises tes fils, il faut les coincer. Ils sont juste croisés, c'est tout. Oui, beaucoup vous allez comprendre en le tricotant, vraiment. Et vous allez comprendre à quel point, des fois, essayer d'expliquer quelque chose de simplissime le rend compliqué. Ah, super, Diane! Go, amuse-toi, tu vas voir, Diane. C'est vraiment facile, vraiment. Puis, Paul et moi, on va être là, ça va être le fun. Et puis, toute la communauté est là. C'est ça aussi qui est chouette, hein. Faut pas oublier que vous n'êtes pas tout seul. Et puis on le voit là encore aujourd'hui, mais on le voit aussi sur le groupe, c'est toujours bien, d'accord? Avec la laine Coast, qu'est-ce que je recommande comme grosseur d'aiguille? Mais écoute, au début, je suis avec du 3,5, là c'est correct. Je pensais qu'avec le 4, ça serait mieux parce que j'aime pas tellement le coton. Donc j'avais un peu peur, tu sais, c'est un petit peu plus sec. C'est qu'avec de la laine. Donc, je pensais peut-être qu'avec le 4, ça serait plus moelleux.
Mais tu vois, là, je l'ai fait en 3,5. Je suis une tricoteuse très souple. D'accord? Et puis non, ça va, je suis contente. Donc ça peut être du 3,5, ça peut être du 4. Par contre, si vous tricotez serré, je sais que la plupart du temps, les gens tricotent plus serré que moi. Peut-être qu'avec le 4, vous allez vous sentir mieux. Donc la vraie réponse à cette question-là, tu sais, c'est quoi? C'est on monte genre 20 mailles, puis on fait quelques rangs avec les aiguilles, 3,5 ou 4, et c'est là qu'on prend une décision. T'as pas besoin de faire genre tout un échantillon parce qu'on s'entend que là c'est pas vraiment nécessaire, d'accord? Par contre, ce qui est nécessaire, c'est de voir si tu aimes la tension avec laquelle tu es. Donc je pense qu'une dizaine de rangs sur 20 mailles, ça va suffire à avoir le bon feeling. Ouais, tu vois, Paul, elle dit elle est serrée, elle prend du 4, tu vois. Est-ce que les fils doivent être rentrés pour le prochain cours? Et c'est bien, j'aime les gens zélés, tu sais ça. Je veux que ça soit au poil. Écoute, je te le conseille. Je te le conseille parce que dans le prochain cours, ben, c'est Paul qui va vous l'expliquer, mais vous allez venir remonter des mailles sur les bordures. Donc oui, c'est une bonne idée. Je vous conseille de rentrer vos fils. Ah voilà, elle donne le choix entre le fait de faire des bubbles ou des eyelets. C'est quoi, à quoi ça ressemble le eyelet? En fait, le eyelet, ça va être un motif qui va réapparaître plus tard, d'ailleurs. J'avoue que je n'ai pas décidé de tout expliquer parce que je savais qu'on allait déjà dépasser facilement notre heure. Mais le eyelet, c'est un jeté avec une diminution. Je vais le montrer quand même. Allez, c'est con, j'ai de la comptabilité qui m'attend. Je préfère largement être avec vous, mais alors 200 fois plus être avec vous que de faire de la comptabilité de toute façon. Non, je vais vous montrer pour ceux qui veulent faire du highlight plutôt que du bobo. Alors, c'est quoi le highlight? Hop! Le highlight, tu vois, tu as une petite barre qui part vers la gauche ou une petite barre qui va part vers la droite. Alors, on va les voir plus tard de toute façon. C'est très simple. Quand ça part vers la gauche, c'est une diminution orientée gauche et ça va être. Oh, j'ai mon truc a été coupé. Mais c'est un SSK. Je me demandais si c'était un SSK ou un SKPO. Donc, ça va être un SSK. Maintenant, en français, on l'appelle le GTT, glisse. GGT, excuse-moi, glisse, glisse, tricote. Je vais vous le montrer. Ensuite, vous avez aussi la petite barre qui va vers la droite. Celui-là, tout le monde la connaît. C'est deux mailles ensemble, excusez-moi, en anglais, K2TOG pour knit two together. En anglais, SSK pour slip, slip, knit. Hein, faut pas oublier, l'anglais est très mémotechnique, c'est merveilleux. Donc, là, c'est une diminution qui part vers la gauche. Ça, c'est une diminution qui part vers la droite. Ensuite arrive le dernier motif, le dernier symbole, qui est le jeté. Alors, le jeté, qu'on appelle en anglais le yarn over, puisqu'il passe par-dessus notre aiguille. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, je vais vous montrer déjà le motif qui est dans la partie droite de notre châle, donc avant la maille centrale. Alors, le SSK, c'est je glisse la première maille comme pour la tricoter à l'endroit, je glisse la deuxième, oups, elles sont twistées. Je glisse la deuxième maille comme pour la tricoter à l'endroit aussi, donc j'ai deux mailles glissées. Mon aiguille de gauche repasse devant et je tricote les deux mailles ensemble. Et paf, ça nous fait une diminution, puisque de deux, j'en ai qu'une, qui part vers la gauche. Okay? Puis ensuite, je fais un jeté. Donc le jeté, c'est yarn over the needle, le fil par-dessus l'aiguille. Comment je fais ça? J'amène le fil devant. Okay? Là, il n'est toujours pas par-dessus l'aiguille. Alors, je le ramène derrière. Et il vient de passer par-dessus l'aiguille. Et voilà, c'est ça, mon jeté, ça a créé une maille. Après ça, le motif me dit de tricoter 3 mailles. Une, deux et trois. D'accord? Donc qu'est-ce que je vois?
ça fait une diminution orientée vers la gauche, donc un petit, comme un petit slash vers la gauche. Le jeté va me faire un trou. Et après, j'ai trois mailles. Et je vais répéter ça. Donc, le motif va être 1, 2, 3, glisse, glisse, tricote, jeté, 1, 2, 3. J'arrive ici, hop, je reviens là. 1, 2, 3, glisse, glisse, tricote, jeté, ta-la-la, etc. De ce côté-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, évidemment, maille centrale, augmentation intercalaire gauche, une maille en droit, et c'est parti, je suis partie pour le motif qui se répète. 1, 2, 3, je fais un jeté et deux mailles ensemble. Donc, quand je vais faire 1, 2, 3, le jeté, j'amène le fil devant, je le ramène derrière et je tricote deux mailles ensemble. Voilà. Donc, ça inverse le... Ça inverse, vous voyez, là, ça part vers la gauche. Ici, ça va faire un mouvement qui va partir vers la droite. Toujours le jeté qui fait le petit trou. Les deux mailles ensemble font comme un espèce de, d'ensemble qui part vers la droite. Et ça va nous faire donc des petits trous, mais des petits trous ordonnés. Pas les petits trous que font les mites, ça va être très très symétrique. Avec donc un motif qui part vers la gauche et un motif qui part vers la droite. D'accord ? Ce motif de highlight se fait sur 4 rangs, exactement comme les bobbles, et se fait sur un fond de jersey, exactement comme les bobbles. Donc, au lieu de faire 4 rangs de bobbles, on fait 4 rangs avec les petits highlights, et ensuite on fait les 20 rangs de points mousse exactement de la même manière. Donc, c'est le même principe, sauf que sur l'autre, vous avez donc une bobble. Ici, le motif, c'est un pérage, donc c'est ensemble de une diminution et un jeté. Le jeté rajoute une maille, la diminution en enlève une, c'est ce qu'on appelle des mailles compagnonnes. As-tu un truc pour les pelotes de laine? Tricote avec deux laines donne quatre pelotes. As-tu un truc pour les pelotes de laine? Tricote avec deux laines donne quatre pelotes. J'ai du mal à te suivre. J'ai du mal à te suivre. Ok, j'imagine que tu me demandes... Ok, je sais que c'est toujours un petit peu compliqué d'arriver à clarifier sa pensée quand on est sur un clavier. Donc, je pense que tu me demandes, c'est comment est-ce que je fais pour tricoter quand j'ai deux laines et quatre pelotes, enfin deux couleurs qui font que ça me revient avec à chaque fois quatre pelotes. Alors, je suis d'accord avec toi, surtout au début, quand on a peu de mailles, on a l'impression que tout va s'emmêler. Ce que je fais, c'est que je mets la couleur A d'un côté, la couleur B de l'autre, pour éviter que ça soit dans le même endroit et qu'il s'emberlificote. Voilà, ça c'est mon petit truc à moi. Alors, on se rend où jusqu'au prochain cours, demande Daniel. Vous vous rendez jusqu'à la fin donc de cet indice numéro 1, c'est-à-dire que vous aurez fait les 3 séquences. J'aurais monté mes mailles, j'aurais fait les 26 rangs de points mousse, puis j'aurais commencé la séquence de 4 rangs de bobble, 20 rangs de points mousse, et je l'aurais fait 3 fois ou plus si vous le désirez. Alors, avec les kits de la maison tricotée, est-ce que je vais avoir assez de laine avec des 4 mm? Normalement, oui, mais sinon, ne t'inquiète pas, on en a plein qui restent, il n'y aura pas de problème. Donc, voilà, voilà. Ah, si vous pouvez passer par Rimouski, découvrir la boutique de la Vilaine, faites-le. En plus, Rimouski, c'est magnifique. Et Paul, vaut le coup d'être rencontré aussi. Ce n'est pas très pratique de jeter son tricot toutes les 3 mailles. Ben voyons, pourquoi tu veux jeter ton tricot toutes les 3 mailles? Ça va te coûter très très cher en laine, Pink Lady. Et n'oublie pas, hein, tu fais pas un jeté toutes les 3 mailles, ça va être toutes les 6 si tu me parles des petites highlights. Hein.
les bulles et les nopes, est-ce que c'est la même chose? En fait, tu as plusieurs termes pour les nopes, les bubbles, etc. Donc oui, c'est la même chose. Bulle, nope, nup en estonien. J'espère que tu apprécies mon accent estonien d'ailleurs. Voilà, oui, c'est la même chose. Et par contre, il y a plusieurs façons de les faire. Il y a beaucoup de façons de faire les petites nopes. Dans les tricots irlandais, tu les verras aussi faites d'une autre manière. Ok, tiki-dou, tiki-dou. Alors, Chantal, est-ce que tu alternes une semaine question, une semaine d'explication? Donc, c'est ce qu'on fait donc avec le cours des quatre chemins, notre cours de pull gratuit, où on fait ce qu'on appelle des pulls éco, c'est-à-dire un cours, je donne des explications, l'autre cours, c'est un Q&A, c'est des questions et réponses. Donc, non, là, écoute, on met la seconde, on file sur l'autoroute, ça va être un cours pédagogique à chaque semaine. Et le prochain cours, eh bien, ça va être Paul qui va vous le donner. Yeah ! Bon, mais j'ai l'impression que tout le monde est au taquet, que ça se passe très très bien. De toute façon, je vous promets, c'est pas compliqué. Nous sommes une communauté absolument fantastique. Donc, n'hésitez pas à parler avec votre groupe. Vous êtes une centaine facilement dans le groupe, si ce n'est plus maintenant avec aussi Slack. Donc, posez-vous des questions. N'hésitez pas, vraiment. On est là pour ça. Je rappelle que là, c'est toujours le côté un petit peu... étant donné que c'est des tutoriels qui sont absolument gratuits... nous, en tant que professeurs, nous ne répondons pas aux questions. Ça va faire très, très, très star, n'est-ce pas? Mais avec tous les cours gratuits qu'on a, on a une communauté de plus de milliers de personnes actuellement auxquelles on enseigne. Donc, évidemment, si on ne peut pas se mettre, malheureusement, à la disposition gratuitement de milliers de personnes, nous n'en aurions même pas la capacité. Et puis ça serait très frustrant aussi pour vous parce que j'aurais juste pas le temps de vous répondre. Donc dans le cadre des cours gratuits, malheureusement, les questions se posent à l'intérieur de la communauté. Puis vous verrez, vous allez être entouré de tricoteuses de différents niveaux, dont de top stars qui seront ravis de pouvoir vous aider. Bon allez, je vais vous souhaiter une merveilleuse journée. Merci Paul d'avoir été là pour répondre à leurs questions et j'ai hâte que tu passes de l'autre côté de la caméra, que ma propre communauté te découvre. Merci aussi pour ceux pour lesquels qui arrivent du bain Saint-Laurent et qui nous découvrent, ça fait super super plaisir, d'accord? Allez, à très bientôt. Profitez de ce temps absolument magnifique si vous êtes sur le Québec. Et à bientôt. Bye bye! Merci d'avoir été avec nous!